Merde. Ah! T'avais dit des questions faciles. Hein. Il y aura un long blanc à couper au montage. Ouah, je suis dommage, Jonathan, et je fais de la batterie dans ma mienne. Je sais pas, j'ai essayé une première fois en sixième, ça m'a beaucoup plu. Et j'avais déjà un piano et au bout de quelques années, je me suis dit non, ça me plaît vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça et j'ai commencé. Un peu la même réponse, m'a juste vraiment plu, et ça a été la batterie justement le déclencheur et à 16 ans, je pensais qu'à ça et du coup, je voulais faire ça. C'est un projet musical, c'est difficile à décrire. Là-bas, c'était vraiment un projet où on voulait être libre, on voulait pouvoir tout explorer et vraiment pas se mettre de barrières. On a commencé comme ça et petit à petit, y a un concept qui a émergé. On a eu une histoire, des ambiances à raconter et je pense que ça va encore évoluer par la suite. Amen. A eu son bac au rattrapage. Mais le rattrapage, c'est mal passé. Un peu créer des tensions, une envie de juste péter un câble et de sentir libre. Et voilà, c'est lui qui a émergé l'idée. Envie d'un projet de liberté, en fait. Oh là là, t'avais dit des questions faciles. Hein. Il y aura un long blanc à couper au montage. Putain, je sais pas. Le premier qui me vient, c'est magie, parce que pour moi, déjà, la musique, ça a toujours eu un côté magique dans ce que ça transmet, dans les états dans lesquels ça nous met, et que surtout, c'est pas scientifique, il y a toujours un truc qui fait que ça devient magique, en fait. Et deux autres mots, donc on va étaler sur le premier. Et liberté, c'est pas mal. C'est l'idée à la fois, pas d'expansion, de se sentir libre, de briser les choses. En même temps, un aspect assez sombre qui va plus descendre dans les profondeurs et ça fait beaucoup plus de 3 mots. C'est dur, 3 mots. C'est beaucoup plus facile, 30 mots. Voilà ce que j'ai à dire. Ah, les Mars Volta, les Pixies, ah, un peu la musique punk en général. Des gens qui mélangent des styles, qui expérimentent, ah, jusqu'à... qui crée des trucs nouveaux, un peu comme en cuisine. Et deux groupes, du coup, qui ont, dans les Mars Volta, beaucoup porté là-dessus. Et après, c'est ouais, des racines très punk, grunge, qui partent des Pixies et qui font des branches. Ouais, mon album, j'espère, là. C'est en cours de préparation. Et déjà, ça, ce sera bien. Des concerts, ce serait très, très bien. Des tournées, je sais pas. Non, mais déjà, l'album, ce serait déjà super. Évolution. Rick and Morty. Sable. Un furet. J'en ai trop. L'air. Wow. Un groupe qui ont l'air sympa. Ah, c'est plus un style que je joue, mais c'est Tate Manifesto. On va avoir tellement bon délire. J'en ai pas. Pas assez fouillé, cherché. On sait pas. Je crois que c'était. Mince. C'était Green Day. Celui avec la bombe. J'ai oublié le nom. American Idiot. Non. Celui-là. Je sais pas ce que je préfère, du coup, je sais pas ce que je cherche. Oh, j'ai pas de blog. Je te préviens, je suis du genre à mettre 3 heures à trouver des trucs. Putain. Je cherche une chanson. Ouais, je vais prendre I Love You, Like an Alcoholic, The Taxpayer. C'est sûr qu'il y avait là. Heavy Humid Night, Corner of Park and Main. Cast that first glance, you smile my veins are. Maximum capacity, blood pumping so fast, my girl, if looks gay, on that tax. Je dirais Instagram principalement, Facebook aussi.
Je pense que c'est important d'oser dire non, qu'il y a de la paix derrière ça et que ça revient à s'aimer. Voilà, c'est un peu. Une première idée, j'arrive pas à trouver la chanson. Chanson, je sais pas, Ophélie. Merde. Ah!